Bonsoir les taureaux, vous êtes le premier signe que j'ai tiré pour cette guidance de la pleine lune, donc avec un nouveau jeu qui me permettra de tirer avec les cartes les signes concernés par la vidéo. Donc pour vous, ici, vous êtes les premiers. Donc on y va, c'est parti pour les signes solaires taureaux, les ascendants et les lunes en taureau. Donc on y va. Avec les énergies de la pleine lune, ce qu'elle va vous impulser, ce qu'elle va vous permettre de travailler, de développer, de concrétiser et d'abandonner. C'est parti. En dos de deck, vous avez l'amitié. L'amitié qui me parle de personnes qui ont envie de fusionner, donc soit avec quelqu'un, soit avec elles-mêmes, de redevenir taureau. Ok, cette énergie, cet talent, cette. Ce pouvoir un petit peu, mais voilà, on va voir, on va voir, on va voir, on va développer. Donc ici, voilà, je vous la mets là. Vous avez la participation avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous parle de quelqu'un qui est travailleur, qui est honnête, qui a l'expérience, qui est dans l'initiative, qui est cordial, qui a, voilà, vraiment une autorité, mais naturelle et très douce. D'accord? Vous avez la participation, donc la participation avec le chiffre 4, vous avez un 4, un 4 et un 4. Vous êtes vraiment ici impulsé grâce à la pleine lune vers une énergie de concrétisation. Vous allez sortir un petit peu s'il y avait une torpeur, en tout cas vous allez vraiment sortir de cette torpeur. Ok? Il y avait peut-être des choses un petit peu subies. Les énergies pour vous avec la nouvelle lune ont été très lourdes. J'ai la sensation que ça a été très lourd et ici vous en sortez. Vous allez abandonner certaines choses. Abandonner quoi? Vous avez le 5 de denier. Vous avez la nouvelle vision. Donc c'est la même carte. Vous avez deux fois la même carte. Donc c'est une énergie que vous allez vraiment endosser ou qu'on vous conseille vraiment fortement d'endosser. Donc la nouvelle vision, c'est le pendu. Le pendu qui parle de voir les choses sous un autre angle, de profiter d'un temps mort pour lâcher prise. Pour voir les choses différemment, pour étudier la question sous un nouvel angle. D'accord? C'est ce que nous dit la carte. Donc ici, vous l'avez deux fois. Avec le 5 de denier, le pendu nous dit qu'il va falloir abandonner ou peut-être voir les choses différemment par rapport à des peurs de difficultés, de carences. Ça peut être des carences financières, ça peut être des carences affectives, ça peut être des carences sociales. Avec la participation, vous allez concrétiser, donc vous allez agir, ok? Vous allez être dans l'action et vous allez participer au monde, c'est-à-dire pas vous imposer. Vous allez sortir, vous allez briller, vous avez l'empereur en plus ici, donc vous allez briller. Vous allez En fait, j'ai envie de dire que vous allez redevenir vous-même. Tout à l'heure, je l'ai dit avec la fusion. Mais vous avez la morale. Peut-être ici que vous avez été trop dur envers vous-même. La morale, elle nous parle vraiment de quelqu'un qui est rigide mentalement. D'accord? Et avec l'empereur, ça parle quand même d'autorité. Soit vous avez été trop dur envers vous-même, trop autoritaire, ou bien vous faites. Vous avez été peut-être autoritaire envers les autres. Avec la morale, on a quelqu'un qui est aussi un petit peu dans le contrôle. D'accord? Cette carte, elle fait penser. Alors, elle n'est pas sortie, mais vraiment, ça fait penser à quelqu'un qui est droit. Vous avez aussi la droiture, hein? Vous avez le roi de bâton qui nous parle de quelqu'un qui est honnête, hein? Qui est travailleur, qui est dans la droiture, qui est carré dans ses bottes, qui est droit dans ses baskets, enfin, peu importe l'expression. Vous avez ça en vous. Avec l'empereur, on parle de quelqu'un donc qui va pas faire un excès d'autorité parce que vous avez derrière l'impératrice avec la créativité, donc la lame numéro 3, une lame majeure quand elle est en chiffre romain comme ça, c'est que c'est une lame majeure. Et ici, l'impératrice, elle va trouver une nouvelle manière de parler. C'est peut-être ça le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas être dans l'excès d'autorité, ne pas être dans le contrôle, mais vraiment d'avoir de la diplomatie, d'avoir confiance en soi, de parler de manière différente. Et ça se ressentira ici, vous avez la force, le courage. Mais la charnière ici, impulsée par la pleine lune, pardon, c'est la transformation.
La transformation vers quoi? Vers le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est aventurier, qui est dans le voyage, qui est solide, qui est vraiment avec ces trois cartes, vous avez une solidité. C'est voilà, on peut souffler sur vous, le taureau, vous n'allez pas bouger. Mais ici, vous allez retrouver cette énergie. Vous allez retrouver cette... Avec les trois cartes ici, je vous les montre. Avec les trois cartes, vous avez... Ici, on a vraiment la sensation qu'on peut souffler sur vous tous les vents du monde, le Mistral, enfin peu importe les... Voilà, vous n'allez pas bouger. Vous allez rester focalisé sur une nouvelle aventure, du pouvoir et du travail, de l'expérience. D'accord? C'est ce que nous disent les cartes. Ce que nous disent, pardon, les cartes. Donc ici, vous allez abandonner la nouvelle vision, elle va vous permettre d'abandonner le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment les angoisses liées aux difficultés, aux carences, aux financiers. Moi, j'ai la sensation ici que, comme je le disais, il me semble que c'était pour vous, je l'avais dit, pour la nouvelle lune du 2 juillet, mais vous avez été un peu trop bon dans la bonté, dans le partage. Il y a eu trop de partage et du coup, les gens ne vous l'ont pas rendu suffisamment à votre juste valeur. Et du coup, ici, vous avez l'expérience avec ces deux cartes, plus l'expérience de l'existence, avec le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous parle de quelqu'un qui peut être dans l'avarice, dans, on va dire, un peu l'économie, mais voilà, enfin, à outre mesure. Mais ici, ça me parle de quelqu'un qui est dans l'économie. Dans l'économie de ses forces, vous avez la force dans l'économie de ses forces, qui a une nouvelle vision des choses. Du coup, voilà. Alors, on passe à la transformation, parce que c'est quand même la charnière. Vous allez vers le cavalier de bâton, l'énergie du cavalier de bâton. Donc, un départ, un voyage, une nouvelle aventure. D'accord? Moi, pour moi, vous allez vous absenter de quelque chose. Ça peut être de quelqu'un, ça peut être d'un travail, ça peut être d'une situation. Pour moi, ça parle plus d'une situation. Vous allez redevenir vous-même. OK? Donc ici, vous allez retrouver de la force. Alors, ce n'est pas la carte numéro 8. L'édition s'est plantée, malheureusement. C'est bien la force. OK? Ce n'est pas la justice. Ici, vous allez maîtriser les choses. Vous allez retrouver du courage. Vous allez retrouver l'abnégation. Parce que vous êtes vraiment travailleur. Vous êtes honnête. Vous êtes carré. Vous êtes droit, comme je le disais. Et du coup, vous allez trouver une nouvelle manière de communiquer avec la créativité. Donc, ça peut être créativité dans les choses, dans la vie, dans vos relations, etc. Moi, ça me parle plus d'une nouvelle manière de communiquer. Parce que vous avez la nouvelle vision, le lâcher prise, et vous endossez des énergies de roi. Donc, l'attachement au passé ici, juste en dessous, quand je l'interroge, on a le pendu. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'agir. Mais ici, il y a quand même un temps mort. On vous dit de quitter le passé, de ne plus y être attaché, parce que vous ne voyez pas les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on a une personne qui est dans sa boîte, donc la tête, qui se prend la tête avec les choses du passé. Et si on fait attention, on voit des bouches qui symbolisent les paroles qu'on vous a faites, d'accord? La bouche, comme ça, les paroles qu'on vous a faites. Et qu'est-ce qui sort de ces bouches? Des langues. Des langues un petit peu qui font penser, qui, moi, me font penser à un serpent. Et derrière, vous avez des ruines, d'accord? Donc ici, il va falloir laisser s'effondrer l'attachement au passé, c'est-à-dire ne plus vous attarder. De toute façon, avec le 5, vous avez une évolution. Donc vous allez évoluer. Vous allez peut-être voir maintenant, avec la nouvelle vision, vous allez voir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la coupe des possibilités, des nouvelles aventures, les étoiles qui peuvent être, enfin, qui peuvent symboliser des personnes, des choses qui vont se présenter à vous. Et ici, si vous sortez la tête de la boîte, vous allez voir tout ça. Avec la nouvelle vision, le pendu, le lâcher prise, voir les choses sous un angle différent va vraiment vous permettre de mettre à profit
l'expérience de l'existence et du coup d'être dans l'économie. L'économie de quoi? L'économie de vos forces, l'économie de vos biens financiers. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont profité et là vous vous dites stop, ok? Je ne vais pas, vous n'avez pas la culpabilité, d'accord? Mais vous vous dites, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? Mon Dieu, mais pourquoi ai-je été aussi naïf, naïve? Voilà. Ici, vous allez vous dire, ok, je prends les choses en main, d'accord? Je ne vais pas m'attarder sur m'auto-flageller, hein? Voilà, vous n'allez pas rester 100 ans là-dessus. Vous allez vraiment vous transformer, vous dire, ok, puisque c'est ainsi, eh ben nous ne reviendrons pas. Voilà, comme le dit la comptine du Petit Prince, vous allez voyager, vous allez être dans l'aventure. Donc vraiment, vous allez évoluer. Vous allez avoir plus de force, plus de charisme, plus d'autorité, plus de pouvoir. Vous allez vous libérer du passé. Vous allez avoir une nouvelle vision. Vous allez être dans l'économie et vous servir de l'expérience de l'existence pour ne plus vous faire avoir par la situation, des fois par vous-même aussi, parce que vous ne voyez pas les choses sous un autre angle. Donc vous participez un petit peu à votre chagrin, on va dire. Mais ici, vraiment, vous allez vous libérer. D'accord, des difficultés, des peurs, de tout ce qui vous entravait. Ici, on a vraiment les personnes qui avancent dans la difficulté, dans le froid glacial, la tempête, avec des embûches en plus, enfin des épreuves de la vie. Et du coup, vraiment, le 5, il est entouré de deux rois. D'accord? Donc peut-être que vous étiez aussi trop honnête, trop cordial. D'accord? Vous participez, vous allez prendre les choses en main, mais pour... Vous allez travailler du coup, mais pour vous libérer de ça. D'accord? Vous libérer, parce qu'il y a une évolution et derrière, on a quoi? L'empereur. Donc vraiment, vous en sortez. Vous avez... Moi, je pense que vous avez eu dans une situation passée, ça peut être la nouvelle lune du 2 juillet ou alors une situation antérieure, mais vous avez eu peut-être des personnes autour de vous qui ne vous ont pas mesuré à votre juste valeur, qui ont peut-être profité de vous aussi. J'ai ce mot qui vient en tête, qui ont peut-être profité de vous. Et ici, vous allez dire stop. Vraiment. Je me pose. Je regarde les choses sous un nouvel angle. Je ne vais pas passer mon temps à m'engueuler, comme je le disais, donc avec la morale. Et pardon pour le mot s'il est un peu trivial. Mais voilà, vous n'allez pas vous attarder là-dessus. Vous allez vraiment vous reconvertir, on va dire, en cavalier de bâton. Donc quelqu'un qui est dans l'aventure, qui est dans le départ, qui veut voyager, qui veut s'absenter en fait de cette situation, c'est-à-dire hop, ça ne me convient plus, ok, empereur, cavalier, je m'en vais de tout ça, j'ai plus de force, je vais trouver avec la nouvelle vision, le pendu, une nouvelle manière de communiquer, je vais retrouver aussi une certaine stabilité, je vais retrouver une maîtrise des choses, une maîtrise de moi-même, une maîtrise des autres, ok? Tout ça, c'est l'énergie que va vous donner la pleine lune. On va voir au niveau du sentimental ce que ça nous dit. En tout cas, c'est un très beau tirage, très positif et très encourageant pour vous. Je sais que le mois dernier, ça n'a pas été forcément évident avec la nouvelle lune. Mais en tout cas, ici, la pleine lune va pouvoir impulser tout ça. Donc, peut-être regarder les vidéos de vos guidances du mois de juillet et de la nouvelle lune pour vous dire, ok, maintenant, la pleine lune, je vais m'en servir pour impulser de nouvelles choses, pour impulser une nouvelle vision. Elle est sortie deux fois, c'est pas pour rien. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous, les taureaux. Donc, lune en taureau, ascendant taureau. Vous avez deux cartes qui sont tombées. Donc, ici, vous avez hop, le foyer, le parchemin. Pour l'instant, c'est très bon augure. Donc, le foyer, le parchemin pour les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, le foyer, ça parle de chaleur, de maison, de famille, de convivialité. Avec le parchemin, si vous êtes en couple, ça peut parler d'une évolution vers une union. Voilà, ici, si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a une volonté
de construire quelque chose, de construire quelque chose porté vers la famille, vers la joie de vivre, la convivialité, etc. Alors, je remélange. En tout cas, vous aviez en dos de deck la pensée. Je suis désolée, j'ai été trop rapide. Donc, vous y pensez. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Je suis désolée, je les remets dans le tas. Alors, pour vous, les taureaux, ce que ça nous dit. Alors, d'expérience, ne vous inquiétez pas avant que vous me laissiez des commentaires, mais pourquoi avez-vous remis dans le tas, etc. D'expérience, quand une carte veut sortir, elle sort. Peu importe, on a beau la mélanger, la remettre dans le tas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous inquiétez pas, si elle veut sortir, elle sort. Vous avez le soleil. Vous avez les outils, donc la construction. Vraiment, vous êtes porté, si vous êtes en couple, vous êtes porté vers une union chaleureuse. Vous avez deux fois une carte de chaleur. Comme je dis, le parchemin, c'est gravé dans la roche. Peut-être un contrat de mariage, un acte notarié, ça peut être une maison aussi avec les outils de la construction. Vous avez l'automne, donc ça peut être sur l'automne, sur une période de 3 mois ou sur l'automne. Vous avez les sous, un gain financier en plus avec le soleil. Donc vraiment, ici, vous êtes dans le... On va dire, tout à l'heure, vous aviez le 4 de denier. C'était la seule carte de denier qui sortait. Donc ici, vous êtes dans, je pense, la profusion des gains, c'est-à-dire économiser. Et vous n'avez pas l'écureuil, à moins qu'il sorte. Mais je vais y revenir. Je vais retrouver le mot. Alors, vous avez le désert. On va interroger le désert. Pour moi, ici, vous capitalisez. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous capitalisez parce que peut-être qu'il y a une période, ici, vous dépouillez des choses inutiles. Ça peut parler de ça aussi, l'automne. Et il y a eu une période de désert. On va interroger. Alors. Il y a l'homme. Ah, vous avez le chien, voyez, il voulait sortir. Donc ici, ça nous parle de fidélité. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes fidèle. Enfin, c'est le consultant, pardon. Si vous êtes une femme, votre homme, en tout cas, est fidèle. Voilà, si vous vous posiez la question. Vous avez en dos de deck l'évolution, donc la pyramide. Il y a beaucoup de financiers ici, j'ai l'impression. Vous allez peut-être. Alors, il n'y a pas le nouveau contrat, enfin, pas les papiers administratifs, mais ça parle quand même de tout ça. Peut-être qu'il y a une période aussi de passage à vide et que là, vous êtes dans la reconstruction parce que cette carte, elle est charnière. Vous êtes dans la reconstruction. Peut-être que si vous êtes en séparation, vous allez reconstruire quelque chose. D'accord? Vous allez vous dépouiller de l'inutile parce que ici, ça parle un peu de solitude. Peut-être que vous vous sentiez seul et du coup vous allez reconstruire. En tout cas, il y a bien l'homme qui ressort. Voilà, vous allez retrouver la sérénité, la paix intérieure. La colombe, c'est vraiment la joie, la paix, mais sereine, vraiment le bonheur. Donc ici, vous avez l'homme, madame, vous avez l'homme, monsieur, c'est vous, fidélité, la paix. Les outils, qu'est-ce que ça nous dit, les outils? Ah, vous avez la transformation, encore en charnière de ce tirage. Donc le papillon qui nous parle bien d'une mutation. Vous allez changer, vous allez transformer quelque chose. Vous allez vous dépouiller des choses inutiles. Vous avez le printemps, donc soit encore 3 mois, soit vous allez, en fait, vous allez enlever ce qui ne vous convient plus. Moi, j'ai la sensation, là, avec le papillon, la reconstruction, vous allez enlever ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient plus, soit tout seul, soit à deux, pour laisser place à de nouvelles choses avec le printemps. Alors, les écus, on va voir ce que ça nous dit. Enfin, les écus. Hop. Non, là, j'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. Je remélange, je rebats les cartes. Donc. L'argent, qu'est-ce que ça nous dit? Et ben voilà, vous avez l'équilibre financier et
le désert, ben voilà, ça va refleurir. Vous allez retrouver un équilibre financier. Peut-être qu'il y a une période et vous aviez le 5 de denier. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, hein. 5 de denier, 4 de denier. Donc, il y a une crainte au niveau du financier. Je pense qu'il y a une crainte au niveau de l'argent. Mais en tout cas, ici, je vous laisse contempler les cartes parce que ça parle un petit peu de... Enfin, ça m'a l'air assez évident. L'argent ici, le foyer, donc quelque chose de chaleureux. Un foyer, c'est quelque chose qu'on entretient. Le feu, on l'entretient. Donc ici, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de perte financière, puisque de toute façon, vous avez l'été, la profusion. D'accord? Donc un retour des finances, un rééquilibre, un retour des finances. Vous allez vous dépouiller, je pense, des choses qui ne vous conviennent plus, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous allez, voilà, faire un petit bilan, une reconstruction. Peut-être que vous étiez en séparation et vous allez trouver la sérénité. Vous allez discuter, vous allez retrouver aussi de la passion. Le feu, ça peut parler d'un retour de la passion. Et vous allez vous transformer, reconstruire et vous dépouiller, en vous dépouillant plutôt, en vous dépouillant des choses pour laisser place, pour laisser la place à de nouvelles choses. Parce qu'ici, il y a un équilibre financier après une période de vide. D'accord? Une profusion. En tout cas, très encourageant. Toujours en lame de fond, l'amitié, donc vraiment ce désir d'être en harmonie avec quelqu'un. C'est vraiment ce qui vous motive. Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment d'être en harmonie avec la bonne personne, d'avoir un équilibre financier, une reconstruction si vous étiez en séparation. Si vous êtes célibataire, de trouver quelqu'un qui soit fidèle, qui soit vers l'union aussi avec le parchemin. Donc la sincérité avec le soleil, avec la colombe, vous avez voilà toutes ces énergies-là. Vous allez passer aussi par un équilibre financier retrouvé après une période de passage à vide, la profusion, voilà. Donc ici un très très beau tirage. On va prendre, je prends pas l'oracle des miroirs parce que j'en ai pas envie. Voilà, je fais vraiment à l'instinct et je trouve que c'est déjà un magnifique tirage. Donc je vais prendre un message des anges de Dorine Virtue pour avoir plus de précision pour les taureaux, un conseil des anges. Donc pour nos amis les taureaux, et ben voilà, il est arrivé très très vite, le 9 d'air. Alors, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 9 d'air ici nous dit que vous êtes toujours dans l'attente du pire, dans la crainte. On le voyait avec le financier, ça ressortait un petit peu. Les prédictions qui se réalisent, les nuits blanches, ici, c'est quand on s'attend au pire, on attire le pire. Je vais tirer une autre carte. Que j'ai la sensation que ça, c'est ce que en fait, c'est votre habitude. J'ai l'impression que c'est votre habitude, c'est pour ça qu'elle sort. L'étoile. Donc, moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est préférable hein, comme message, mais ici. J'en ai tiré un deuxième parce que pour moi, bah déjà j'en avais le besoin pour vous, mais moi j'ai la sensation que vous êtes toujours dans la crainte du pire. Que la pleine lune ici, elle va vous donner l'énergie d'avoir une nouvelle vision. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, d'avoir une nouvelle vision, de ne plus vous attendre au pire. Vous avez les difficultés, les carences avec le 5 de denier, vous allez être juste dans la mesure, vous dire ok. J'économise, que ce soit mon argent, mes forces, mais les relations, etc. Voilà. C'est pas du calcul, mais juste vous capitalisez vos forces, vous capitalisez votre argent, et de manière à avoir une sérénité qui arrive, d'accord? Des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. En parlant du 9 d'air, tout à l'heure, j'ai dit, voilà, quand on s'attend au pire, enfin, c'est le pire qui arrive. Ici, on vous parle de rester positif, optimiste, d'accord? Et de croire en vous. Vous aviez l'empereur, l'impératrice, donc c'est des cartes de personnes charismatiques qui croient en elles, qui ont confiance, puisqu'elles règnent. Et le pouvoir, ça demande un minimum de confiance en soi. Donc vraiment, soyez comme ça.
Je vais pas vous laisser là, je vais tirer d'autres cartes, parce que je vais vous en faire profiter. J'ai reçu des nouveaux jeux. Donc ici. Alors, vous avez le choix. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce choix? Pour moi, ici, vous êtes vraiment les énergies de la nouvelle lune, elles ont été très fortes pour vous. Et pour moi, vous êtes à la croisée des chemins, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même, mais voilà, vous allez vraiment endosser une nouvelle énergie. Si vous choisissez d'avoir une nouvelle vision, d'avoir un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, de vivre les choses, le 9 d'air là, qui vous fait peur, je sais qu'il vous fait peur, je sais que vous allez m'interroger là-dessus. Vous attendre au pire n'est pas la solution. D'accord? Toujours être dans l'avarice, l'épargne, voilà, c'est pas la solution, c'est juste capitaliser. Ok? De manière à ne plus vous attendre au pire, de manière à aller vers les bonnes choses et pas les mauvaises choses. Et du coup, ce choix, ben voilà, on l'a là. Vous avez soit le choix de voir les choses en négatif, soit le choix de voir les choses en positif. Et vous avez l'étoile. Vous aviez beaucoup de lames majeures, donc c'est des messages et des énergies qui vont être puissantes. Donc il ne faut pas les craindre, il faut plutôt prendre la bonne décision. D'accord? Faire le choix de voir les choses sous un nouvel angle, de respirer. Moi, j'ai la sensation là que c'était un peu étouffant pour vous. Et du coup, la pleine lune, pardon, elle va vous permettre d'effacer les anciens schémas. D'accord? On fait table rase de ce qui ne convient plus et on décide. D'accord? Le choix, c'est aussi une décision. Mais on décide de voir les choses sous un nouvel angle et un angle plus positif. Ok? Allez, un dernier message pour vous en faire profiter avec le tarot des amoureux, enfin l'oracle des amoureux. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour vous les taureaux. Un petit message pour les taureaux, pour la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien entendu. Alors, on a un message qui est tombé. Vous avez le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc voilà. Choisissez de vous pardonner. Vous aviez tout à l'heure le mental. Non, ce n'était pas le mental d'ailleurs. Je suis désolée, c'était l'autre carte. Je vais la retrouver tout de suite. C'était la morale, pardon. Vous aviez la morale. Donc arrêtez de vous faire la morale. Voyez les choses sous un nouvel angle. Arrêtez d'avoir peur. Avec le 5 de denier, juste soyez dans l'économie de vos forces, ok? Pardonnez-vous si vous avez des choses à vous pardonner, parce qu'à la clé, niveau sentimental, c'était parfait, ok? Vous aviez un super beau tirage. Donc voilà, ne vous attachez pas au passé, vous l'aviez l'attachement au passé avec le pendu. Donc ici, c'est vraiment le message de la carte. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Voilà les taureaux. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail mango.faitdutarot@gmail.com. Je posterai sur Instagram le mélange des cartes, si je l'ai fait, si j'y pense, si j'ai le temps. Voilà, je veux vraiment faire les vidéos pendant ces 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi, parce qu'on sera pleinement dans les énergies de la pleine lune et je pourrai délivrer des messages plus intuitifs. Voilà, donc c'est pour ça que je vais faire de la communication sur Instagram, mais en tout cas, c'est secondaire. Voilà. Je vous souhaite une très belle dernière quinzaine de juillet. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. D'ici là. Soyez vraiment, vraiment, vraiment confiants en vous les taureaux et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!